Salut à tous, aujourd'hui nous allons fabriquer un outil qui va nous servir de troisième main pour tenir notre matériel lorsqu'on va le travailler. Et donc, sans plus attendre, allons-y! Il y a plein d'options pour se construire des troisièmes mains. Par contre, celle-ci est probablement l'une des façons les plus simples et les plus efficaces de tenir votre matériel. Tout d'abord, vous voulez choisir une barre d'acier qui est à peu près 1/16 de pouce plus petit que le trou de votre enclume. Ou 1.5 mm. Malheureusement, je n'avais pas accès à cette grandeur de matériel, donc avec une barre de la bonne dimension, ça va être beaucoup plus efficace. Je viens mesurer et marquer ma barre à 8 pouces, et c'est là qu'on va la tordre tantôt. Donc, premièrement, on va venir travailler la pointe pour l'élargir un peu et la rendre plate. Et ensuite, on va venir tordre notre barre, et ça devrait être à peu près tout pour notre troisième main. J'ai oublié de vous mentionner que j'utilisais une barre d'acier doux. Il y en a qui utilisent des barres d'acier ressort. Par contre, ce n'est pas obligatoire. Une barre d'acier doux fait bien le travail. Ici, le but, c'est seulement d'avoir un bout plat et avec un peu plus de surface de contact. Donc, pour notre bout, ça va être bien. Ensuite, nous allons tordre notre barre à 8 pouces où on l'avait marqué. Et on va venir plier tout. Chaud. On va réchauffer ce bout-ci et on va pouvoir le tordre et l'adapter à notre outil. Ici, j'essaie de donner une forme en S à notre outil. Puisque j'utilise une barre qui est beaucoup plus petite que le trou de mon enclume, il va falloir que j'accentue cette courbe beaucoup. Comme ça avec une courbe vraiment intense, ça va le faire. Donc ici je vais courber encore un petit peu et rendre le tout plus plat. Ici, j'ai décidé de rapetisser le bout de notre outil pour qu'il soit plus facile à rentrer dans notre trou d'enclume et aussi ça fait un plus beau fini. Et donc, pour mes besoins, ça c'est parfait. C'est encore chaud, mais je pense qu'on va pouvoir le tester quand même. Donc ici, on a une barre qu'on va vouloir tenir. On peut venir prendre notre outil, insérer dans les trous, évidemment. Aligner ça sur ça. Et ensuite, en théorie, tout ce qu'on a besoin de faire, venir ici et de cogner ici pour que ça pogne. Et donc, ici, on peut voir que c'est bien pris. Donc, on va pouvoir travailler là-dessus. Donc, ça tient bien notre morceau. Comme vous pouvez voir, donc, au lieu de tenir notre morceau entre nos jambes, comme ça, et de venir essayer de, par exemple, avec un ciseau en métal ou quelque chose, venir marquer notre barre, maintenant, on peut la tenir comme ça et venir marquer ou
retaper notre morceau qui est bien tenu par notre bord ici. Donc, je vais vous faire un petit exemple avec l'outil qu'on a. Donc, on vient prendre notre petit outil. On vient tenir, par exemple, notre bord. On martèle un peu. Maintenant, on peut venir travailler sur notre bord, bien comme il faut. Et lorsqu'on a fini, on tape sur le dos et on peut l'enlever. Aussi, c'est pratique lorsqu'on a les bords très longues qui ne seraient pas en équilibre. Donc ici, elle tomberait, j'aurais besoin de travailler ici, donc ce serait dur à tenir. Si je viens, donc elle m'aide à ce que la barre ne tombe pas. Un des avantages aussi d'avoir une barre aussi longue, c'est qu'on peut venir travailler des barres avec différentes épaisseurs de matériaux. Donc cette troisième main, c'est un outil qui est vraiment super utile et qui est vraiment super facile à fabriquer. Donc je vous le recommande grandement. Ici, ça va vous aider à tenir des bords avec autre chose que votre entrejambe et parfois les morceaux chauds sur l'entrejambe, ce n'est pas nécessairement la bonne idée. Donc j'espère que tu as aimé la vidéo. Si c'est le cas, laisse un j'aime et abonne-toi et je te dis à dans 2 semaines. Au revoir!